peut-être, ou il est probable que je sois un poète. Mais c'est pas sûr. Alors, je reste sur mes gardes. Je le signale juste. Et la poésie est peut-être présente, peut-être là, dans des mots, je ne sais pas. Mais je le répète encore, j'ai un doute. C'est quelque chose dont je peux me méfier. Il a besoin d'un mystère. Il le dessine et se cerne un œil. L'écriture fonctionne dans la soustraction de lui à l'autre. Vous êtes seul. On connaît ça. Restez là. Tenir. Dans l'exactitude de personne et pour rien. Et les racines dans les yeux de celui-là qui sait. Des mots clairs. Une danse de mots. La tête tournée vers la fenêtre avait le goût du délire. Je le regardais, il chantait. La tristesse roulait sur son visage. La rage suintait de ses lèvres. Ainsi sa nuit se montrait noire et rude. Les mots s'étirent et craquent en jeu sonore, très sonore. Je veux savoir où ça va les piqûres. Où ça va les rides de la jeunesse? Où ça va l'amour? Ce sont tes jeux à toi, tes opérations sur mon corps. Je supporte ton feu, je l'attise même. Les fenêtres, des yeux. Un ange peut-être. Il me chuchote un poème, cela dit. Là-haut, quelque part, quelqu'un écrit la même chose que toi. Pourtant, il n'est pas toi, et tu n'es pas lui. Seul, le poème présent vous réunit. Toi, tu es ici. Lui, là-bas. Seulement, ce sens différent que lui accorde à un mot. Et toi, un autre sens à ce même mot. Acte la fragilité du monde. Attendez, vous entendez encore? C'est l'ange, ce putain d'ange, qui revient me chuchoter à l'oreille qu'un personnage se serait déplacé de la scène aux loges en silence. Car d'après cette créature, cet ange, ce metteur en scène, qu'importe, ce personnage aurait été mot, parmi les lettres. Oui, le centre est une surprise. Le paysan bat la chair, il excite le paradis. Un souvenir brillera, j'en conviens. Et pourtant, il faut s'accuser comme coupable pour accéder à l'invisible. Au seulement de l'invisible, au centre, à la semence, rageusement semence. Nous, hommes et pierres et hommes, hétéros du trop lent. Sinon, que rechercherions-nous? Que voudrions-nous? Nous, irréels dans notre milieu, non pas milieu de jardin, milieu de faune et de flore, mais milieu rentré en nous jusqu'à l'enjambement. Ce qui doit être dit est extension, meute, cœur, encore chair. La trace, ma suture. Entre ce qui doit être plus dansant et ce qui doit avoir la fin jusqu'à la crevasse du terreau. Le terreau est désigné dans le feu clair. Il y a là la répétition différente dans le cœur, dans le noyau de braise, de ce qui veut pousser de la terre. Mouvante est le mot, je crois. Le centre est la surprise. Ici est un répété du noyau, je le précise. La persécution des feuilles est un royaume. Elles battent des paradis. Mais est-ce bien des feuilles? Et elles mourront. Et nous rechercherons demain à l'aube, submergés de nos pas silencieux. Je suis bien, on a été sages, on a eu une grande au moins. C'est pas pas dit. Ah bon, tu es client? Une dédicace.